beaucoup beaucoup échangé. Qu'est-ce que vous disiez? Enfin, vous avez tout essayé, au moins en termes de communication, c'est ça? Vous ne trouviez pas les armes, c'est ça? On est plein de bonne volonté, je pense qu'on essaye. Voilà. C'est vrai que peut-être en première mi-temps, trop de fautes, peut-être justement c'était parce qu'on était vraiment... On voulait montrer d'entrée, on voulait essayer de marquer cette équipe de Colomiers. Mais c'est vrai qu'en voulant marquer cette équipe de Colomiers, en mettant beaucoup d'agressivité, on a fait des fautes cons, quoi. Des plaquages hauts, des ballons grattés, on est arrivé sur le côté, moi le premier. Et après, derrière, seconde mi-temps, je pense qu'on n'arrive pas à gérer le match, quoi. On est inoffensif. On arrive à marquer un essai, tant bien que mal. Mais bon, on est inoffensif. On est inoffensif, on reçoit un coup d'envoi, ballon cafouillé, derrière, on reprend un essai derrière. Donc, quand on pense sortir un peu la tête de l'eau, au final, on se la remet tout seul au fond de l'eau. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans la merde. Et je pense qu'on peut le dire, la semaine prochaine, on va jouer le match de la mort. Quoi. On va jouer le match de la mort face à une équipe de Carcassonne, je pense, qui va arriver, qui n'a rien à perdre. Qui aujourd'hui, je pense, Carcassonne est une équipe qui voilà, pardon du mot, mais qui casse couille. Voilà, qui va arriver avec un gros paquet d'avant, qui va arriver avec un numéro 10 qui va nous mettre les ballons dans les quatre coins du terrain. Donc je pense que ça va être très très compliqué. Donc je pense que là, c'est une grosse remise en question et il faut qu'on retravaille celui-là, ce match en rebond. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas mentir, on prend 52 points, c'est pas acceptable, c'est même honteux. Donc aujourd'hui, voilà, faut gommer, on passe à autre chose, demain vidéo, on parle plus de ce match. Et Carcassonne dès lundi. Il y avait quand même déjà urgence, Paul. On pensait qu'il y aurait une réaction quand même plus d'orgueil de cette équipe. Et à l'arrivée, vous coulez à nouveau. Je pensais aussi. Et voilà, après le match, après on n'a pas joué non plus contre Riri, Fifi et Loulou. Hein. On a joué face à des bons mecs. Hein. Donc aujourd'hui, c'est justement, si on n'arrive pas à gérer les matchs et si on n'arrive pas à être tueur dans les moments décisifs, c'est l'addition. Merci.